Chapitre 1. À l'école, il y a une fille. Je crois que je suis amoureux d'elle. Le problème, c'est que je n'oserai jamais lui dire en vrai. Du coup, j'ai décidé que j'allais devenir le plus grand écrivain du monde pour qu'elle tombe amoureuse de moi. J'ai donc choisi d'écrire un livre sur mon endroit préféré, la maison dans laquelle j'ai passé les meilleurs moments de ma vie. Cette maison, elle s'appelle la Gaffelière. En me renseignant sur Internet, j'ai cru comprendre que de nombreux écrivains avaient un rapport assez intime avec ce liquide rouge que ma famille fabrique depuis plusieurs centaines d'années. Donc on a deux types de cabernets à la Gaffelière qui sont assez nouveaux puisqu'ils sont dans les années 1910. J'ai par ailleurs essayé de goûter à ce fameux nectar, mais à chaque fois, pour je ne sais quelle raison, on me l'a refusé. Je me suis consolée plus tard en lisant quelque part que la jeunesse est une ivresse sans vin. Or, moi je suis jeune, donc je suis ivre. Si ma mémoire est bonne, je crois qu'on appelle ça un syllogisme. Bon, la première étape pour devenir le plus grand écrivain du monde me semble acquise. Passons vite à la seconde. Pour devenir le plus grand écrivain du monde, il faut que j'aie de l'imagination. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le nom de ma famille, Mallet, est un des plus anciens de France. Il me suffit donc de me balader dans les couloirs de la Gaffelière pour pouvoir me plonger dans plus de 11 siècles d'histoire et ainsi parvenir à acquérir la deuxième compétence nécessaire, l'imagination. C'est très bien d'avoir de l'imagination. Mais que serait l'imagination sans l'art de cultiver le mystérieux ? Ça tombe bien car la Gaffelière regorge d'endroits mystérieux où je n'ai pas forcément le droit d'aller en temps normal, comme le bureau de mon grand-père. Qui dit endroit mystérieux dit forcément objet mystérieux. Et qu'y a-t-il de mieux pour voir les choses d'un autre œil que de regarder à travers les lunettes d'une personne âgée ? Vous saviez qu'il y a un secret caché à la Gaffelière ? Chut ! C'est bon, je crois que j'ai compris comment cultiver le mystère. L'avant-dernière clé pour être un grand écrivain, c'est l'élégance. Et justement, l'élégance est un des maîtres mots de tout ce qui se fait à la Gaffelière. En tout cas, je pense que le plus important, si on veut devenir le plus grand écrivain du monde, c'est de rester un enfant toute sa vie. Ma tante Bérangère me dit souvent qu'il ne faut jamais cesser de voir de la magie dans tout ce qui nous entoure. Le terroir de la Gaffelière, c'est une mosaïque de trois terroirs différents. On a cette molasse du français aussi. Alors même si je n'arrive pas à devenir le plus grand écrivain du monde, je sais que ma famille sera toujours là pour moi. Car chez les Mallet, on a une devise. In arduis fortior. Ça signifie que nous ne baisserons jamais les bras car nous sommes plus forts dans la difficulté. Je ne sais pas si je deviendrai le plus grand écrivain du monde, ni si la fille que j'aime tombera amoureuse de moi. Mais ce dont je suis absolument certain, et bien que je ne l'ai jamais vraiment goûté, c'est que, pour moi, la Gaffelière, c'est vraiment le plus grand vin du monde. Bonne nuit, Ernest !